Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour Débat politique. L'Algérie amorce une dynamique d'énergie verte en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables. Une stratégie est tracée à l'horizon 2030. Le programme des énergies renouvelables actualisé consiste à installer une puissance d'origine renouvelable de l'ordre de 22 000 MW à l'horizon 2030 pour le marché national, avec bien sûr le maintien de l'option de l'exportation comme objectif stratégique à l'horizon 2040. L'Algérie compte résolument maintenir sa position d'acteur majeur sur la scène énergétique mondiale en valorisant toutes les ressources naturelles. Parmi ces ressources, l'hydrogène vert, l'Algérie est en mesure de mettre sur le marché jusqu'à 1 million de tonnes à l'horizon 2040. La feuille de route a déjà été adoptée en Conseil des ministres et qui se décline en deux phases, 2023-2030 pour la production de l'hydrogène vert, 2030-2040 pour son exportation. Un des grands objectifs demeurer un leader énergétique incontournable et aussi économiser le gaz dans la consommation locale est en constante croissance et c'est l'autre enjeu de l'efficacité énergétique. Mais le marché énergétique va-t-il connaître des bouleversements avec l'arrivée de Trump à la Maison Blanche qui annonce déjà dans son discours de victoire « Nous avons plus d'or liquide que n'importe quel pays dans le monde, plus que l'Arabie Saoudite et la Russie » et en conventionnel et non conventionnel, référence faite bien sûr au gaz et pétrole de schiste. Il annonce déjà d'annuler les réglementations environnementales et de ne passer qu'à des lois pro-business et anti-régulation. Il est clair que pour les Américains, il n'y a que la domination énergétique qui compte. C'était le mot d'ordre de Bill Clinton et tous les présidents qui lui ont succédé, aujourd'hui plus que jamais, Donald Trump. C'est toutes ces questions et bien d'autres que nous allons aborder avec nos invités. Nous avons ici le plaisir d'accueillir M. Mostafa Mikidesh, expert international dans l'énergie, ex-directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolière, président du comité scientifique du club algérien de l'énergie. Nous avons également avec nous M. Toufiq Hassni, consultant en transition énergétique. Bonjour. Et Dr. Rabah Sellami, directeur hydrogène et énergie alternative au commissariat des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique auprès du Premier ministre. Messieurs, bonjour. À la première question, avec Dr. Rabah Sellami, nous avons une stratégie, nous avons une vision, nous avons une feuille de route que nous avons déclinée, qui ont été adoptées, bien sûr, l'ensemble de ces stratégies et de ces visions en Conseil des ministres, c'est-à-dire au haut niveau de l'État. Comment se déclinent les différentes feuilles de route, que ce soit pour les renouvelables ou, bien sûr, l'hydrogène vert, puisque nous avons des capacités importantes à mettre sur le marché. Et la feuille de route, comme je l'ai indiqué dans le sommaire, se décline en deux phases, à savoir 2023-2030 et 2030-2040 pour l'exportation des capacités que nous allons mettre sur le marché équivalente à 1 million de tonnes. Monsieur Rabah Sellami. Bonjour madame, merci pour l'invitation et je salue vos invités aussi, monsieur Mikidesh et monsieur Hassni. Et par rapport à la transition énergétique en Algérie, ça fait quelques années que l'Algérie s'est engagée déjà dans cette transition énergétique qui est basée essentiellement sur deux piliers importants. Le développement des solutions d'efficacité énergétique, déjà pour réduire la consommation locale en énergie, et d'autre part le déploiement des énergies renouvelables, notamment dans le mix électrique algérien. Et pour les énergies renouvelables, le plan d'action du gouvernement de 2021 a déjà inscrit le déploiement de 15 000 MW en énergie renouvelable qui seront déployés graduellement. Alors, et donc le programme sera achevé à l'horizon 2035. L'année passée, il est arrivé un nouveau élément de la transition énergétique qui est l'hydrogène. Et vous avez déjà évoqué les phases de déploiement de ce nouveau élément qui est en réalité prévu de le déployer en trois phases importantes. Nous sommes actuellement dans la première phase qui est la phase de lancement de la filière hydrogène qui n'existait pas auparavant. Et pendant cette phase, il est inscrit un certain nombre de mesures et d'actions à mettre en œuvre. Et donc, on a déjà commencé à mettre en œuvre certaines actions comme
la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour les études. Nous avons commencé déjà à traiter certains aspects de la chaîne de valeur de l'hydrogène, et donc on travaille sur plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect lié à la formation et la recherche et développement aussi, où il y a un certain nombre de projets et d'actions qui sont en phase de mise en œuvre. Dans la deuxième phase, qui va commencer de 2030 jusqu'à 2040, on va s'intéresser au déploiement industriel de cette filière. Bien évidemment, nous allons lancer des projets graduellement jusqu'à arriver en 2040 à atteindre une capacité d'environ 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert, et une autre capacité supplémentaire pour ça c'est pour l'export, et environ 300 000 tonnes d'hydrogène vert ou bleu, ou bien les deux, c'est pour le déploiement local. Les capacités sont existantes, elles sont prouvées aujourd'hui. Nous avons les moyens de mettre des quantités importantes sur les marchés mondiaux en horizon 2030, 2040. À partir de 2030, et par rapport justement à la stratégie européenne, déjà qui est le marché de proximité de l'Algérie, c'est le marché le plus intéressant pour écouler de l'hydrogène vert, parce que la distance est importante par rapport au coût de commercialisation de cet élément, qui est en fonction de la distance et par rapport aux infrastructures dont dispose le pays en matière de pipelines qui peuvent servir à l'avenir de transporter de l'hydrogène. Il faut beaucoup de moyens financiers pour bien sûr mettre en œuvre toute cette politique aujourd'hui. Bien évidemment, c'est une nouvelle filière. L'hydrogène vert, pour le moment, toutes les études donc disent que son coût est très élevé. Il est autour de 10 $ le kilogramme, mais il est prévu que ce coût-là va baisser avec le temps, parce qu'il y a le déploiement des technologies, il y a la recherche et développement qui est en train de travailler sur la baisse des coûts, notamment par rapport à la technologie de l'électrolyse, dont il est prévu que l'électrolyse, le coût d'électrolyseur va baisser avec le temps, et ce n'est qu'à partir de 2030 ou 2035 que le prix ou bien le coût de production de l'hydrogène vert pourrait rivaliser avec l'hydrogène bleu ou l'hydrogène gris. Et donc c'est important de souligner qu'aujourd'hui aucun pays n'a encore commencé à produire de l'hydrogène vert. Tout le monde est en phase de préparation. Il y a une dynamique de développement des technologies, et il y a une certaine concurrence très très importante, notamment entre la Chine et le reste du monde. Et la Chine est en train déjà de se positionner sur la scène mondiale comme acteur important qui va certainement jouer un rôle essentiel dans la baisse des coûts de l'hydrogène, semblablement aux énergies renouvelables. On a vu le photovoltaïque, comment son coût a baissé avec le temps. Il s'est démocratisé. Alors, monsieur, bien sûr, Hassini, moi je voudrais vous poser des questions par rapport aux renouvelables. Il y a 15 000 mégawatts à l'horizon 2030 que l'Algérie compte mettre sur les marchés mondiaux, mais il y a également d'autres pays qui arrivent sur le marché des renouvelables. Il faut accélérer davantage la cadence de réalisation, puisque nous avons des capacités qui sont prouvées aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit le solaire, l'éolien ou d'autres aussi filières. Quelle est votre réponse, monsieur Hassini? Le micro, s'il vous plaît. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité d'abord. Et il est difficile de répondre sur un point sans le remettre dans son contexte. Rapidement, monsieur. Alors, nous nous dirigeons vers un écart historique entre l'offre et la demande sur les marchés pétroliers. Donc, un écart d'une ampleur jamais vue depuis le 19e siècle. L'industrie pétrolière, à laquelle l'industrie pétrolière était née à l'époque, hein,
Un rapport publié cette semaine par la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il annonce? L'offre mondiale ne devrait dépasser la demande de 1,2 million de barils par jour en moyenne. Et l'ampleur de cette offre excédentaire, donc l'offre mondiale qui est de 1, elle est difficile à surestimer. Et en conséquence, le baril du pétrole pourrait coûter moins cher que 60 dollars. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Hein. Maintenant, en revenant aux énergies renouvelables, il faut savoir que la stratégie des énergies renouvelables est de répondre d'abord à un point fondamental, la sécurité énergétique. On ne fait pas des énergies renouvelables pour protection de l'environnement, qu'on soit clair. On reste dans un marché énergétique. Et les ressources énergétiques qui peuvent s'adapter à ce marché restent à prendre en considération. Vous avez vu comment on a écarté le photovoltaïque parce qu'il était intermittent et qui ne permettait pas de pouvoir atteindre des grandes capacités et qui ne pouvait pas être transporté. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, il faut aller vers qu'est-ce qui peut être le futur mixte énergétique du pays aux horizons 2050. Notre étude a fini par dire, oui, le solaire va être la partie déterminante. Les capacités sont importantes. Tout le monde dit aujourd'hui que l'Algérie, c'est une pile à ciel ouvert. Pile électrique à ciel ouvert. Est-ce que vous savez que, en termes de potentiel, il faut relativiser ce qui a été dit. En termes de potentiel, est-ce que vous savez que le solaire thermique, lui seul, représente près de 39 000 milliards de mètres cubes, l'équivalent de 39 000 milliards de mètres cubes de gaz par an, alors que le photovoltaïque ne dépasse pas les 50. Nous aurons besoin aussi du photovoltaïque, mais dans des proportions qui seront inférieures. Et ceci nous permettra d'atteindre une part de 65% des besoins énergétiques en 2030-2035, et 100% à la fin du siècle. Alors, Monsieur Mostafa Mekideh, vous êtes pressé de prendre la parole. Moi, je voudrais vous poser la question. Justement, on parle de sécurité énergétique, de la nécessité de demeurer un leader au niveau de la région, puisque l'Algérie est un fournisseur incontournable et fiable à la fois. Il faut mettre en place tout ce bouquet énergétique quand nous savons aussi que d'autres pays vont arriver encore sur ce marché de l'énergie qui pourrait davantage nous concurrencer. Et nous avons vu les premières déclarations de, bien sûr, Donald Trump dans son discours, bien sûr, de victoire, où il a annoncé que les États-Unis vont demeurer le premier grand producteur d'énergie à travers le monde. Bien sûr, on parle aujourd'hui carrément de domination énergétique des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut ? Très bien. Moi, je pense que vous faites bien de découpler donc à la fois, si vous voulez, la sécurité énergétique de mon pays et également d'aborder les questions donc de la dynamique, si vous voulez, des marchés mondiaux de l'énergie, notamment du... On est tributaire des marchés mondiaux. Absolument. Alors, ce que je voudrais dire, c'est d'abord de me concentrer sur mon pays, l'Algérie. Alors, vous faites bien donc d'aborder les choses au cours de cette émission sur le contenu d'un mix ou d'un basket énergétique qui soit optimal pour le pays, en étant réaliste et en partant du principe de réalité. Mon pays a besoin, à l'horizon 2035 par exemple, donc on parle, le chiffre a été donné par Selami à juste titre, c'est de produire 22 000 mégawatts d'électricité à partir des énergies renouvelables. Ça, c'est l'objectif à 2035. 15 000 mégawatts pour la consommation locale. Dans une première phase, 3 000 mégawatts, programme qui est en cours de réalisation et même voire en cours d'achèvement. Tout à fait. Alors, ces 3 000 mégawatts vont nous permettre d'économiser au mieux 1 à 1,2 milliard de mètres cubes de gaz naturel. Et c'est l'enjeu. Prenons l'objectif de 2035 que vous avez évoqué. Donc c'est 22 000 mégawatts, ça va nous permettre
d'économiser 7 milliards de mètres cubes à 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Or, à ce jour, nous sommes un pays en développement, en émergence, nous consommons 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel. En 2035, on sera autour de 70, 80, voire 90 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Par conséquent, nous aurons, les 7 milliards de mètres cubes sont les bienvenus, mais nous serons toujours dans le mix énergétique en situation de développer nos ressources en matière de gaz naturel. Ce qui suppose donc, et son attraque le fait bien, de développer les gaz naturels en matière conventionnelle, c'est fait, et il y a eu donc de nouveaux développements qu'il faut saluer, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir, à un moment donné, nous préparer à aller vers le gaz non conventionnel, parce que nous sommes l'un des plus grands, si vous voulez, gisements en matière de gaz non conventionnel, 20 000 milliards de mètres cubes, et je pense qu'il va falloir se préparer tout en développant le principe de précaution, à nous préparer également à faire un basket énergétique. S'agissant d'hydrogène, c'est sous contrainte aussi de coûts. C'est-à-dire que ça me rappelle, moi, le projet des AirTech, où les Allemands souhaitaient qu'on développe, sauf que les investissements et les risques, nous les prenons, et eux, donc, commercialisent et utilisent la ressource. Or, dans ces conditions actuellement, donc, l'hydrogène vert, notamment, est une technologie émergente, mais il va falloir, donc, avec nos partenaires, qu'ils mettent la main à la poche aussi, non seulement dans le corridor, c'est-à-dire dans le transport vers leur marché, à partir de mon pays, l'Algérie, mais également dans les investissements in situ, c'est-à-dire sur le site de production de cet hydrogène vert. Alors, les capacités sont importantes aujourd'hui. Nous savons que, bien sûr, les énergies sont tributaires des questions géopolitiques. On voit ce qui se produit à travers le monde actuellement, la guerre russo-ukrainienne par rapport, bien sûr, à la production gazière et la présence sur le marché mondial de la Russie en tant qu'aussi grand producteur, ou premier producteur de gaz à travers le monde. On prend en considération tous ces aspects pour accélérer la cadence de la production aujourd'hui, aussi bien pour les renouvelables que pour, bien sûr, l'hydrogène vert, monsieur Selemsi. Absolument, c'est un élément crucial. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur ce que a dit monsieur Mikidesh par rapport au déploiement de ces 15 000 mégawatts. Je pense que c'est un projet très ambitieux. Il va certainement contribuer à la sécurité énergétique du pays. Mais vous avez aussi parallèlement, comme il l'a indiqué, la consommation locale qui est en croissance. Est-ce qu'elle va pouvoir répondre aussi à la demande? Exactement. Et donc, l'Algérie ambitionne de développer son mix énergétique équilibré, donc en se basant sur toutes les potentialités disponibles. Mais le déploiement des énergies renouvelables est aussi important, parce que non seulement on va économiser des quantités importantes en gaz naturel, mais on va aussi respecter nos engagements internationaux en matière de climat, la COP 29 va venir dans quelques jours, et donc l'Algérie à chaque fois. Mardi, mercredi prochain. Exactement, donc c'est justement pour répondre à ces engagements. Et maintenant, par rapport à ce qui se déroule à l'international, l'Algérie ne peut pas rester à l'écart, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan développement technologique, sur le plan mutation technologique. Si on prend l'exemple, par exemple, du transport, le secteur des transports est en pleine mutation actuellement. On assiste à l'émergence du véhicule électrique. Il y a aussi une très forte concurrence à l'échelle mondiale entre la Chine, les États-Unis et la région de l'Europe. Et nous, il faudrait qu'on se prépare aussi à cette échéance et commencer déjà dès maintenant à travailler sur ces aspects. En se préparant déjà en matière de maîtrise des technologies, en matière de déploiement aussi de projets de démonstration pour tester aussi les technologies. Et d'ailleurs, par rapport à l'hydrogène, nous sommes dans cette phase. On est en train de se préparer, mais avec, comme l'a évoqué M. Mikidesh, avec une certaine prudence. Parce que lancer 1,2 million de tonnes comme objectif, c'est très peu.
ce n'est pas une quantité très importante, mais l'Algérie veut aussi ne pas rater le cap, parce qu'on constate aussi qu'il y a une certaine dynamique à l'échelle mondiale, que ce soit sur le plan de déploiement des énergies renouvelables, qui sont intermittentes et donc qui ne peuvent pas répondre à la demande en énergie, et donc l'hydrogène est venu justement pour consolider la position des énergies renouvelables. Il y a certains secteurs qui sont très compliqués à électrifier aussi, et là l'hydrogène pourrait jouer à l'avenir un rôle important dans la baisse de l'empreinte carbone de ces secteurs-là. Alors Monsieur Hassini, on se prépare à cette échéance, c'est la déclaration bien sûr à l'instant de Monsieur Sellami, mais est-ce qu'on a raté beaucoup d'occasions d'accélérer la cadence, puisqu'il y a quelques années déjà, on parlait des renouvelables et le potentiel algérien qu'on pouvait mettre sur le marché. On a été hésitant au départ par rapport au photovoltaïque, par rapport à l'accessibilité des prix, mais aujourd'hui les prix se sont démocratisés, on se retrouve légèrement en retard, où on est toujours dans le cap. Monsieur Hassini, vous qui avez beaucoup travaillé sur les renouvelables. Absolument. Et la première élément d'information qu'on doit donner, pourquoi? Tout simplement, des lobbies importants se sont opposés aux énergies renouvelables. Par le passé, vous avez dit, le lobby du nucléaire a empêché l'Algérie d'émerger. Entre autres, mais le lobby pétrolier a été le plus important. Le lobby pétrolier dépensait près de 200 milliards. C'est le lobby pétrolier. C'est quoi? Non, il faut. Je parle du lobby pétrolier étranger. Alors, on parle de. Mais c'est le lobby externe, interne. Monsieur Mikidash, laissez le terminer. Oui, allez-y, monsieur Hassini. Moi, je vais en donnant cette information, on va deviner quel est ce lobby pétrolier. J'ai dit que le lobby pétrolier dépensait 200 milliards de dollars par an pour combattre les énergies renouvelables. Plan international. Oui. D'accord. C'est clair. C'est pas moi qui le dis. D'accord, mais je voulais juste cette précision. Je l'ai toujours dit. Alors. Et de l'autre côté, lorsque on parle de sécurité énergétique, on ne peut pas occulter les énergies fossiles. Les énergies fossiles seront toujours là. On l'a toujours dit. Donc, il ne faut pas opposer énergie renouvelable à énergie fossile. Ça, c'est le pétrole et gaz avec, bien sûr, les autres énergies. Voilà. Maintenant, lorsque on doit examiner les potentiels, pourquoi on a censuré le solaire thermique en Algérie? Ça, c'était le lobby nucléaire, entre autres le lobby nucléaire français, qui nous a en fait écarté du marché européen parce qu'on pouvait les concurrencer sur le marché électrique et on peut toujours les concurrencer. Le lobby français, il a sabordé le projet Desertec. Absolument. Avec les Allemands. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où je dis, est-ce que vous connaissez l'avantage? D'abord, je viens de donner l'avantage du solaire thermique. Est-ce que vous savez ce que ça représente? 39 000 milliards de gaz par an. C'est pratiquement le Hassan Malas. Lorsqu'on l'a découvert, c'était 40 000 milliards. Donc on a pratiquement chaque année en équivalent gaz l'équivalent de Hassan Malas à ses débuts. Comment peut-on occulter cela? Et il y a un point qui est déterminant aussi dans tout ça. Est-ce que vous savez? Alors, lorsqu'on parle de mix, on a pratiquement 80% de solaire thermique, mais on a 20% de photovoltaïque. Pour les coûts, ça permet de réduire le coût moyen. Le coût moyen aujourd'hui ne dépasse pas les 7 cents de dollars le kilowattheure. Mais quel est le défi aujourd'hui des renouvelables dans le marché énergétique actuel à travers le monde, Monsieur Hassini, rapidement, pour donner la parole à Monsieur Mikidash. Ok, alors maintenant, le défi aujourd'hui, c'est qu'on a toujours dit, c'est plus cher. Est-ce que vous savez que, je viens de donner un coup, mais ce qui est plus important à expliquer, c'est que les charges des centrales solaires, 90%, c'est des charges fixes. Ça veut dire que vous pouvez vous engager sur un prix constant sur 25 ans. Alors que les énergies fossiles vous connaissent aujourd'hui une volatilité des prix qui devient menaçante pour eux. Donc, les besoins en 2030, même avec l'apport que j'ai défini de 65%
en solaire laisse 35% pour les énergies fossiles et ça dépassera certainement la capacité actuelle. Monsieur Mekides, je voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais juste donner quelques précisions sur les retards qu'on aurait pris ou qu'on a pris sur le développement des énergies renouvelables. Moi, je me rappelle, en 2012, j'ai fait une étude pour le ministère de la Prospective. À l'époque, il y avait un ministère de la Prospective qui nous avait demandé une étude sur les énergies renouvelables et on a analysé la question. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il y avait, et je rappelle que c'est le ministère de l'énergie, à l'époque, le secteur de l'énergie, c'est-à-dire des hydrocarbures, qui a été à l'origine du développement de ce programme et qui était chargé de sa mise en œuvre. Alors, pour la partie, si vous voulez, énergie renouvelable, il y avait donc deux options possibles. Une première option, c'était le photovoltaïque, et la deuxième option, c'est le concentré. L'inverse au début. Non, j'ai dit qu'il y avait les deux options. Oui, mais là, dans le programme. Je connais bien le programme, j'ai fait l'étude en détail. Et que finalement, on a eu raison de ne pas nous être, si vous voulez, engouffrés immédiatement dans le concentré solaire, parce qu'on aurait perdu de l'argent. Un exemple, notre voisin de l'Ouest a voulu être un bon élève, il a développé un grand projet d'énergie renouvelable concentrée à Ouarzazate. À l'heure actuelle, ce projet est subventionné. Ils sont dans une situation où les partenaires étrangers, notamment espagnols, ont quitté le consortium. Et à l'époque, j'avais participé à un séminaire organisé par le Forum de Davos sur ce projet-là. J'étais dans un panel avec un des directeurs généraux de la Banque européenne d'investissement. La position était la même que la mienne, c'était de dire que ce projet ne tenait pas la route. Et actuellement, et heureusement que nous ne nous sommes pas engagés de façon non réfléchie dans cette branche. Et je rappelle simplement que ces projets de même type faits au Nevada et faits également en Arkansas ont été fermés, des usines de concentré solaire. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, M. Mekides, accélérer cette cadence de production? Attendez, je vais vous parce dire. Parce qu'on doit arriver à 30 qui va bouleverser le marché énergétique mondial. Laissez-moi terminer mon raisonnement. La deuxième raison, c'est que les coûts des photovoltaïques ont eu une baisse absolument importante entre 2012 et 2024, ce qui fait que ça devient absolument la solution et ce qui a fait que le projet a été réactivé sur la base de l'option photovoltaïque. Alors, ça, ce sont des éléments, à mon avis, qu'il va falloir, c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup d'attention. Sur Desertec, je pense que le projet ne tenait pas la route au plan financier. Il y a peut-être des lobbies intra-européens entre l'Allemagne et la France, mais ce n'est pas la raison principale. La raison essentielle, c'est qu'on voulait faire supporter à mon pays, l'Algérie, des surcoûts d'investissement que manifestement le retour sur investissement, et je l'avais écrit à l'époque, n'était pas, et ça a été repris donc sur les médias et les réseaux sociaux, ne pouvait pas nous permettre d'avoir un retour sur investissement compte tenu de l'ampleur des risques que l'on prenait. Voilà ce que je voulais dire sur le reste maintenant, l'évolution du marché mondial. On aura toujours besoin du pétrole pour la pétrochimie, on aura besoin du pétrole pour d'autres usages, mais également pour l'énergie et le gaz également. Donc, disons, entre les effets d'annonce politique ou géopolitique qui sont faits par les grands acteurs, si vous voulez, c'est une chose, mais la réalité, si vous voulez, économique et ses perspectives en est une autre. Mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, M. Mostafa Mekides, que le marché énergétique pourrait connaître des bouleversements? C'est la question que je vous ai posée, vous n'avez pas répondu, avec l'arrivée de Trump qui parle de la domination énergétique des États-Unis aujourd'hui. Et ça a été dit dans son discours de victoire. Il a demandé à forer partout aux États-Unis pour aujourd'hui, bien sûr, découvrir plus de gaz et de pétrole et également favoriser l'émergence davantage et la production davantage des non-conventionnels. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément? Est-ce que ce marché va connaître des bouleversements? Oui, je vais vous répondre. Vous savez que le secteur de l'énergie, notamment celui des hydrocarbures au plan mondial, est consubstantiel aux crises qui le secouent. Ce n'est pas nouveau, nous avons eu la crise de 86, remontons l'histoire, 73, où le rapport de force s'est inversé en notre faveur. Nous, exportateurs
d'hydrocarbures. Je parle de 86 où c'est l'inverse. L'Arabie Saoudite qui a voulu, dans son conflit avec l'Iran, si vous voulez, se positionner en tant que leader number one, donc au sein de l'OPEP, si vous voulez, a mis sur le marché des quantités tellement importantes que le marché s'est effondré. J'étais dans la délégation algérienne en cas de, donc, à l'époque donc, à l'hôtel intercontinental de Genève, où Zaki Yamani, malgré, si vous voulez, les demandes de notre ministre de l'énergie de l'époque de pouvoir rabaisser ses taux de production pour trouver un accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on a essuyé un refus. J'étais dans la chambre d'hôtel, dans la suite de M. Zaki Yamani. Ça, il faut le dire. Par contre, donc maintenant, sur les suites, en 2016, si vous voulez, les États-Unis, si vous voulez, avec le développement du gaz de schiste, on est sorti, si vous voulez, de la crise de 2014, pardon, en 2016. Pourquoi? Parce que les coûts, si vous voulez, de production du pétrole de schiste et du gaz de schiste aux États-Unis nécessitaient que les prix ne baissent pas de façon importante. Ce qui fait que M. Trump, le président des États-Unis, qui sera président à partir de 2025, janvier 2025, ne pourra pas faire tout et n'importe quoi dans le domaine, si vous voulez, des hydrocarbures. Il y a l'OPEP plus qui a des traditions, qui doit s'adapter, qui doit donc revoir peut-être une partie de ses stratégies, mais elle pourra peser encore beaucoup plus. Mais avec l'arrivée, par exemple, éventuellement, le retour plutôt sur le marché gazier de la Russie, puisque Trump s'est engagé à mettre fin à cette guerre. Et puis, bien sûr, avec le Qatar qui va produire des quantités supplémentaires à horizon 2027, puisqu'il annonce, bien sûr, la mise sur les marchés de GNL, plus de 60% pour atteindre les 126 millions de tonnes en d'ici 2027. Est-ce que ça va aussi impacter le marché gazier, monsieur Mostafa Mekidesh, la raison pour laquelle il va falloir diversifier aujourd'hui notre bouquet énergétique? Oui, de toute manière, la diversification, elle est en cours, oui. Et elle doit s'accélérer. Je partage tout à fait la position de Hassani et de Selemi sur ce problème-là. C'est tout à fait. Mais en ce qui concerne nos positions en Europe, sur le marché européen, ce sont des positions qui vont se consolider. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que... Elles le sont pas. Actuellement, non, parce que nous avons vu beaucoup de partenariats qui sont en train d'être scellés avec son attrait. Oui, tout à fait. Quand on voit, par exemple, que nous arrivons donc en Slovaquie, on est sur d'autres marchés en Turquie et sur d'autres marchés européens, notre position en matière d'exportation de gaz sur ces marchés-là, à mon avis, nous avons donc l'expérience et la capacité, et la Sonatrach, je parle de la Sonatrach là, pour pouvoir non seulement la maintenir, mais l'élargir. Parce que entre les discours, par exemple l'Allemagne, qui est le champion des énergies renouvelables, qui est sorti de l'électronucléaire après Fukushima, maintenant revient au charbon. Donc, c'est-à-dire entre les effets d'annonce et la réalité, si vous voulez, de l'évolution des systèmes énergétiques mondiaux, il y a une marche. Et le gaz naturel, notamment en Europe, a besoin de ce gaz et notamment du gaz algérien qui est fiable sur le plan à la fois de ses quantités mais également de ses prix. Alors, Monsieur Selemi, par rapport justement à ces marchés cibles, nous avons les marchés cibles, nous les avons identifiés dans la feuille de route qui est déclinée aujourd'hui, qui a été adoptée en Conseil des ministres pour l'hydrogène vert, pour les renouvelables également. On les connaît. Il faut aussi, c'est-à-dire des partenariats, il faut des partenaires. Bien sûr, et d'ailleurs, il y a l'Algérie, à travers la publication de sa feuille de route pour l'hydrogène, est en train de capter l'intérêt de ces pays. Donc, il y a pas mal de pays qui s'intéressent aujourd'hui à l'Algérie parce qu'ils connaissent aussi les avantages et les atouts de l'Algérie. Et nous avons assisté d'ailleurs lors du NAPEC dernier à la signature d'MOU concernant l'hydrogène, que ce soit par rapport au corridor sud ou bien par rapport à la partie espagnole. Et donc ça démontre que l'Algérie a quand même des atouts importants à mettre en place par rapport au marché européen ou aux autres marchés. Et notre maintenant, j'aimerais bien aussi rebondir sur le mix énergétique. Il faut savoir, et surtout pour nos chers auditeurs, que
toutes les transitions énergétiques, toutes les politiques de transition énergétique et tous les scénarios de transition énergétique tiennent compte de la présence des hydrocarbures, que ce soit le gaz naturel qui va continuer à jouer un rôle important, parce qu'il faut savoir aussi que... Mais l'enjeu à travers le monde, c'est devenu le gaz. Oui, et il faut savoir aussi que la demande en énergie est en plein et en croissance constante parce que toutes les économies ont besoin de la croissance. Il ne faut pas oublier aussi que la planète aujourd'hui, donc on a combien ? On a plus de 8 milliards d'habitants. Et donc, 8 milliards d'habitants signifie qu'il y a toujours une demande en alimentation, une demande en eau qui est croissante, une demande en énergie, bien évidemment, une demande en transport. Et donc, le gaz naturel, le pétrole et même le charbon vont continuer à jouer un rôle avec, bien sûr, des parts beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui, mais ils vont continuer à jouer un rôle. Mais vous avez des pays qui sont aussi devenus leaders dans le domaine des renouvelables avec des productions records, comme par exemple la Chine qui passe en position 1 aujourd'hui, qui est grande consommatrice, en parallèle bien sûr du maintien du charbon parce qu'il y a une forte consommation. Oui, je pense qu'on a déjà deux exemples importants. Si on prend l'Allemagne par exemple, qui a pu déployer les énergies renouvelables dans son mix électrique, je dis bien son mix électrique, elle est arrivée à 60% de part d'énergie renouvelable, mais si on regarde son mix énergétique, c'est négligeable, c'est même pas 2%. Et donc, ça démontre combien il est difficile déjà de faire cette transition énergétique en se basant uniquement sur les énergies renouvelables. Mais il faut accélérer la cadence aujourd'hui en tenant compte bien sûr, évidemment, de tous ces aspects géopolitiques, monsieur Selem. Bien évidemment. Puisque vous êtes dans la réflexion, dans les études, dans la stratégie. Bien évidemment. Et il faut aussi déployer toutes les solutions technologiques parce qu'il n'y a pas que les énergies renouvelables. Il y a l'efficacité énergétique qui devra jouer aussi un rôle crucial. Pas moins de 40% de réduction de consommation qu'on va pouvoir atteindre à travers le déploiement des solutions d'efficacité énergétique. Il y a l'électrification des secteurs aussi qui va se baser sur les énergies renouvelables. Il y a aussi le rôle de l'hydrogène qui va venir pour soutenir les énergies renouvelables par rapport à leur caractère intermittent et variable. Par rapport aussi à certains secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés, comme le secteur de la chimie, par exemple. L'hydrogène, là aussi, va pouvoir jouer un rôle. Par rapport à la production de la chaleur, notamment pour des températures très élevées, comme c'est le cas dans le secteur de l'acier, par exemple, dans le secteur du ciment, là aussi, on peut déployer cette technologie. Il y a aussi à la fois le gaz, parce qu'on produit le ciment à partir du gaz. Bien sûr, économiser du gaz et répondre aux besoins aussi énergétiques des secteurs. Et donc, c'est un paquet de solutions qu'il faudrait déployer. Certains secteurs comme l'aviation, par exemple, qu'il faut décarboner à l'horizon 2050, il y a des solutions technologiques. Il est vrai qu'elles sont pas prêtes aujourd'hui, mais il faut commencer à travailler dessus pour se préparer à ces échéances. Alors, Monsieur Hassni, moi je voudrais aborder avec vous, bien sûr, la cadence de réalisation. Nous avons vu que nous avons tout un mix. Nous avons, bien sûr, beaucoup de variétés, beaucoup de potentialités. Notre pays est extrêmement riche en énergie. Et il va falloir aussi mettre en place une véritable feuille de route par rapport à la consommation nationale de gaz qui est en croissance constante. Certains disent que d'ici 2030, notre croissance pourrait être équivalente, c'est-à-dire notre niveau d'exportation. Exact. Et ou compromettre nos exportations. Bien. Oui. Vous permettez d'abord que je réagisse sur ce qui a été dit. Rapidement, monsieur. Non, mais... Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le débat, c'est ça. Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. Lorsqu'on me dit... Non, mais vous n'avez pas de temps, mais je dois m'exprimer. Lorsqu'on me dit que la volonté d'écarter le solaire thermique était due à son coût, je vous rappelle seulement une chose. La centrale solaire thermique qui existe à Hassin El-Mel, vous savez quel est le coût de cession? 3,12 dinars le kilowattheure. Vous ne pouvez pas me dire que c'était plus cher.
Ensuite. Alors expliquez-moi. Je termine. Ensuite, je termine. D'accord, je vais vous répondre. Ensuite, lorsque on me dit pourquoi on n'a pas développé, et on m'a interdit de développer le solaire thermique. Pour répondre encore une fois, pourquoi on ne l'a pas développé? On m'a interdit. Ensuite, lorsque vous revenez à Desertec, ce n'est pas une parole, un ministre allemand l'a dit, c'est inscrit, c'est un fait. Il a dit que c'est la France qui a... Voilà, pour répondre à ça. Maintenant, je peux répondre, puisque j'étais... Je réponds à ma question, d'accord. Ne vous excitez pas, d'accord. Non, s'il vous plaît. Alors, on n'interrompt pas. Alors, maintenant, vous parlez de... Il y a eu toute une étude. Vous ne pouvez pas me dire, voilà, quels sont les besoins. Si vous n'avez pas exprimé quelle va être votre offre, quelle est la demande qui existe. Une demande qui n'a rien à voir avec l'existant. Vous voulez être un pays émergent avec une croissance de, je ne sais pas, 7%, c'est pas avec une industrie qui ne dépasse pas les 10% du PNB. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas assurer cette croissance si vous ne récupérez pas toute la valeur ajoutée. Ceci nous a amené à proposer tout un programme basé sur ça, sur les perspectives de développement et une étude qui a été validée par des experts internationaux et qui a défini quelle va être la part de chaque ressource énergétique et avec des objectifs qu'il faut aussi relativiser l'approche restrictive qui a dit « je m'arrête au photovoltaïque ». Le photovoltaïque ne produit que de l'électricité. Et les besoins de consommation énergétique sont à 30% électrique, mais à 70% en chaleur. Donc, c'est pour ça que le solaire thermique, avec ses capacités qu'on a, est une solution. Je n'ai pas dit que ça va écarter les fossiles, mais ça va permettre de répondre à toutes nos demandes de sécurité énergétique. Alors, dans la situation actuelle, on est dans le présent, oui. Le passé, on le connaît aujourd'hui, on en a souvent parlé, vous également, monsieur Hassni. Les potentialités ont été identifiées, nous avons des capacités, il faut se projeter maintenant vers le présent et l'avenir. Exact. On ne va pas rester sur le passé, monsieur. Alors, en plus, vous êtes dans un contexte qui a évolué. Est-ce que vous savez que la prochaine réunion à Bakou va faire un constat alarmant? C'est que les lobbies pétroliers, en plus du fait qu'ils ont... Qui voulaient arrêter les énergies renouvelables, ils ont fait tous les freins possibles, ont sorti de leur chapeau l'hydrogène. Et à la réunion de Bakou, ils vont demander tellement d'argent pour l'hydrogène qu'il ne restera plus rien pour les énergies renouvelables. Alors, monsieur Selami, l'hydrogène... Je ne pouvais pas, moi, le... Excusez-moi, Non. Je rebondis sur ce qu'il vient c'est de dire. C'est un point d'ordre, madame. L'hydrogène sera coûteux. Non, rapidement sera... sur la question pour donner la parole à monsieur. À long terme, il ne sera pas coûteux. D'ailleurs, si on se prépare bien comme dans la situation actuelle, il est coûteux. Dans la situation actuelle, personne ne produit de l'hydrogène vert. Tout le monde est en train de se préparer. Il y a des investissements qui sont en train d'être déployés pour développer des projets pilotes, des projets de démonstration qui vont servir justement à développer cette filière et arriver à maîtriser les coûts. Maintenant, par rapport au déploiement des énergies renouvelables, par rapport à la COP justement. D'ailleurs, la COP 28 a visé des ambitions très très importantes parce qu'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc, pour arriver déjà à le faire, il faut un déploiement de 11 000 gigawatts en énergie renouvelable à l'horizon 2030. Mais si on regarde les capacités existantes pour développer les énergies renouvelables, on ne va pas pouvoir faire plus de 3 500 gigawatts. Et donc, cette transition énergétique s'annonce très complexe. Hein. C'est pas... Alors, la transition énergétique, toute transition faite pour M. Mustapha Mikidèche qui attend de prendre la parole. Laissez-moi vous poser aussi la question, Monsieur Mustapha Mikidèche, Trump, on a vu,
Il s'en fout de l'environnement, il a fortement déclaré. Ça va aujourd'hui remettre en cause tous ces principes de protection de l'environnement au profit, bien sûr, de production davantage d'énergie, de gaz et de pétrole conventionnel et non conventionnel. Je vous rappelle simplement que les hydrocarbures non conventionnels ont été développés aux États-Unis alors que Trump n'était pas dans la politique. C'était il dans était les dans années le 2000 déjà. Oui, mais il était dans le business. Donc ce qui fait que c'est lié donc à la volonté des États-Unis depuis tout le temps. Donc elle était importateur net de gaz naturel. On avait même des installations de regazéification sur la traque, sur la côte. Est des États-Unis, donc il y a eu un changement. Il n'y a pas, fondamentalement, si vous voulez, le nationalisme énergétique des États-Unis n'est pas lié directement à la venue de Trump. Ce que je veux dire simplement, je voudrais dire, si, pour le concentrer, je voulais juste, non pas répondre à Hassani, mais remettre, recadrer les choses. Avoir Zazat, c'est des faits, c'est pas des jugements. Avoir Zazat, l'électricité qui est produite à Avoir Zazat, par le concentré solaire, est subventionné, je vous renvoie aux lois des finances de notre voisin de l'Ouest. Les coûts de l'électricité vendue. Non, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Hein. Mais non, mais ça ne veut rien dire, la subvention. Tout dépend du prix local. Il subventionne le prix de l'électricité qui sort est au-dessus, évidemment, et il est subventionné par dans toutes les lois des finances qui sont produites depuis le début. Ça, c'est... Et puis la fermeture, madame, des grands complexes, si vous voulez. Mais on s'est déplacé à notre pays. Bon, il n'y a pas eu de fermeture de Nevada. Nevada fonctionne toujours. Monsieur Hassan. C'est fermé, je vous garde. Je vous renvoie donc à vos références. Informations, vous en faites pas. Allez-y, oui, monsieur. Donc, je ne l'ai pas coupé, je suppose qu'il ne va pas me couper pour répondre. Oui, allez-y, répondez à ma question, monsieur. Donc laquelle, s'il vous plaît? Alors, voyez, donc je vous ai dit avec Trump, qui aujourd'hui parle de capacité supplémentaire qu'il va mettre sur le marché. On parle bien sûr la domination énergétique. Est-ce qu'il va falloir être un peu plus vigilant, c'est-à-dire suivre l'évolution des marchés? Nous avons vu que pour le gaz également, le Qatar annonce de nouvelles capacités de production à partir de 2027. On parle aussi de l'Argentine qui a trouvé dernièrement des gisements de gaz. Est-ce que, par exemple, et la Russie qui pourrait revenir en force sur le marché gazier, bien sûr, avec la guerre, si elle est bien sûr maîtrisée aujourd'hui, telle que l'annonçait Trump, est-ce qu'on pourrait s'acheminer carrément vers l'OPEP du gaz? Est-ce qu'on y va directement? Oui. Moi, je crois que l'OPEP du gaz, donc, il y a le forum donc, qui a tenu son congrès à Alger dernièrement et qui est là pour soutenir, selon donc, son texte de création, les intérêts souverains des pays qui sont producteurs, potentiellement exportateurs de gaz. Pour le gaz, il va y avoir, si vous voulez, le rôle de ce forum qui va effectivement, comme vous le dites, devoir prendre donc, des positions beaucoup plus, disons, beaucoup plus tranchées sur un certain nombre de choses pour pouvoir... Est-ce qu'il pourrait se transformer en OPEP du gaz Il pourrait. Alors, sur le pétrole, effectivement, l'OPEP Plus va devoir actualiser sa stratégie. D'ailleurs, notre ami Aït Lahousine, qui est donc membre de notre club, du club algérien de l'énergie, a donné une interview sur Al-Watan, où il aborde ces questions-là. Donc, le jeu des acteurs va se complexifier. Et je crois que l'OPEP, ce n'est pas son premier combat, ni son dernier. Exact. Alors, comment maintenir aujourd'hui sa position de leader énergétique, avec bien sûr tout ce bouquet énergétique aujourd'hui? Monsieur Sellami, nous avons vu qu'il y a des coûts, il y a des projections. Dans la feuille de route, vous avez décliné les montants qui vont devoir être mis pour accélérer cette cadence. Également les revenus. On parle de pas moins, à horizon 2014, pour l'hydrogène vert, de l'équivalent de 15 milliards de dollars de revenus. Oui, en tout cas, l'Algérie est en train de déployer des efforts multiples là, dans tous les domaines pour maintenir sa position d'acteur énergétique important sur le marché mondial de l'énergie. Et on a assisté l'année passée
à l'augmentation de nos capacités de production de GNL qui sont passées à 25 millions de tonnes par an. Il y a aussi des investissements pour accélérer la transition énergétique. On vient de lancer 3000 mégawatts en une seule année. Ça représente 20% de tout le programme. Pour le long terme, donc on va s'appuyer sur l'hydrogène et donc c'est une filière aussi qui est en phase de mise en place et de lancement. Mais à partir de 2030, il y aura des investissements qui seront donc lancés pour lancer déjà les premières usines de production d'hydrogène vert qui sera destinée à l'export. C'est un programme qui va coûter environ 10 milliards de dollars, 10 à 20 milliards de dollars, tout dépendra du marché. Et donc, même nos capacités de production d'hydrogène vert pourraient être revues à la hausse aussi à l'avenir. Parce que et les revenus, ils sont calculés aujourd'hui, monsieur Selami? Les revenus cumulés pendant la décennie entre 2030 et 2040 seront à peu près entre 10 et 15 milliards de dollars. Si on tient compte du programme qui a été donc inscrit. Il y a des partenaires qui s'intéressent à ce projet? Et justement, dans la feuille de route et dans la stratégie algérienne, l'Algérie donc, compte énormément sur les partenariats qui sont en train de se mettre en place, que ce soit avec l'Allemagne, l'Italie et les autres pays, peut-être à l'avenir d'autres pays comme les Pays-Bas, comme la Chine, et ils vont certainement contribuer à développer cette filière. Et c'est ce qu'on attend d'eux, justement. C'est la partie financement ne va pas se faire à 100% du côté algérien. C'est un produit qui sera exporté et à l'avenir, je pense que des partenariats solides vont se mettre en place. Alors, pour le partage de risques, il faut beaucoup de partenaires également, monsieur Mostafa Mekidesh, pour cette partie. Oui, tout à fait. Important. Moi, je pense que... On a vu beaucoup de partenaires étrangers signer des contrats avec Sonatrach ces derniers temps. On parle d'ExxonMobil, de Chevron, on parle de Total, on parle de Shell. Oui. Des compagnies italiennes, espagnoles également. Tout à fait. Moi, je pense déjà qu'au cours du dernier événement qui a eu lieu à Oran, Sonatrach a lancé donc un appel d'offres pour donc la prospection, la recherche et la production même de plusieurs périmètres et de plusieurs périmètres en matière d'hydrocarbures. Mais il faut en attendant maîtriser la consommation interne, monsieur. Alors là, c'est là où on a où on a le moins de résultats. Je crois que sur le plan d'avoir des économies d'énergie en matière de révision de notre mode de consommation énergétique, on n'a pas touché donc à la tarification. Ce qui fait qu'on peut, se demander, si vous voulez, pourquoi donc, il y a un attrait très fort d'un certain nombre d'investisseurs dans des domaines fortement consommateurs d'énergie, c'est parce que les tarifs, peut-être, ne sont pas suffisants, y compris pour la production, d'ailleurs, d'engrais azotés. Mmh. Et ça, moi, je pense qu'il va falloir peut-être reconsidérer. Et sur le plan interne, je pense que la tarification, la consommation également, reste à revoir. Et également, dans le bâti, alors, dans le bâti, on construit des logements, mais sans considération pour les aspects d'économie d'énergie. Oui. Ça, alors, c'est important. Monsieur Toufir Hassani, par rapport justement à cette consommation interne, il faut favoriser au maximum, bien sûr, avec la révision de la loi sur l'électricité, l'accessibilité, c'est-à-dire des particuliers aux panneaux photovoltaïques à travers tout le territoire national pour l'agriculture et certains grands secteurs énergivants. Rapidement sur la question, monsieur Hassani, vous ne pouvez rien faire si vous ne touchez pas à la révision des tarifs. Vous ne pouvez rien faire. Il ne peut pas y avoir d'efficacité tant que tout consommateur préfère prendre l'électricité à 4 dinars. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Absolument. Et quel est l'investisseur qui va se mettre là-dedans s'il n'y a pas un marché? Donc là, en tournant, tandis que si vous acceptez de développer un programme d'énergie renouvelable qui ramène le coût à un maximum de 8 dinars le kilowattheure. Pour faire les deux, peut-être. Non, les deux, bien sûr. Rapidement, si vous... À ce moment-là, vous allez pouvoir supprimer
la subvention qui a atteint 20 milliards de dollars par an. Alors, Monsieur Slami, la dernière question, bien sûr, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Cette question de tarification, elle est posée aujourd'hui. Est-ce qu'elle se pose comme étant une contrainte ou alors l'État est en mesure de la prendre en charge, puisque nous avons vu que nous subventionnons déjà l'électricité conventionnelle à partir du gaz. Et est-ce qu'il faudrait rapidement aussi amender la loi sur l'électricité pour permettre un peu l'exploitation maximale du photovoltaïque par tous les citoyens et les gros consommateurs dans le secteur, notamment du bâtiment, de l'agriculture et dans l'industrie. Je pense que cette question de tarification est tellement importante qu'il serait important de la traiter, mais dans un cadre global, bien sûr. Maintenant, faudra toute une émission pour tout cela. Justement. Maintenant, par rapport au déploiement d'autres solutions, l'efficacité énergétique aussi est très importante. Il faut baisser notre consommation et donc il faut déployer toutes les mesures et toutes les solutions possibles. Il y a la loi sur la maîtrise de l'énergie aussi qu'il ne faut pas oublier, qui donc vise à développer toutes les solutions d'économie d'énergie. Par rapport au déploiement de l'électricité à l'échelle locale, le plan d'action du gouvernement de 2021 prévoit d'ailleurs la production des énergies renouvelables pour des usages autonomes au réseau, notamment dans les zones d'ombre, dans les le secteur commercial, et donc c'est important comme action qui sera déployée à l'avenir. Alors, comme à chaque émission, je le dis souvent, il nous faut 2 heures, voire même 3 heures pour aborder toute cette thématique. Alors, je remercie tous les invités présents dans le studio pour cette émission. Monsieur Mustapha Mekitesh, expert international dans les énergies, ex-directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolière, président du comité scientifique du Club algérien de l'énergie. Monsieur Toufir Hassini, consultant en transition énergétique, et docteur Rabah Selami, directeur hydrogène énergie alternative au commissariat des énergies renouvelables, efficacité énergétique auprès du Premier ministère. Mesdames, Messieurs, au revoir. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, à samedi prochain. Au revoir.